Un atelier de validation du rapport d'évaluation du volet Fonds mondial d'environnement est ouvert ce matin dans un hôtel de la place. C'est le secrétaire général du ministère de l'Irrigation et des équipements agricoles, Tidjani Koyboro, qui a ouvert les travaux. Idriss Oumar Idriss. Les instituteurs et les professeurs du complexe scolaire d'Ingessou sont à l'école des savoirs. Et c'est grâce à l'initiative prise par l'inspection départementale de N'Djamena 4 dans le but d'améliorer le niveau pédagogique des enseignants exerçant dans cet établissement. Cette formation pourra permettre à nos enseignants d'acquérir des connaissances qu'on mette en pratique ces connaissances-là du retour dans les salles de classe. Cette session de formation pédagogique est appréciée par l'élu de la circonscription, Abdullah Choua, qui encourage davantage les initiateurs de multiplier ce genre d'assises. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique d'N'Djamena 4, Aboubakar Assidir Abdoulaye, invite les participants à se donner corps et âme pour bénéficier de cette formation qui durera 3 jours. Le président de la coalition des associations civiles pour la construction et le développement, coalition Fils du Tchad, Faisal Hissein Hassan, a fait un point de presse cet après-midi. Point de presse relatif au lancement des activités de sensibilisation dans les établissements scolaires pour l'année en cours. Suivez un extrait de ses propos. La coalition Fils du Tchad, comme acteur de la société civile, à travers son plan d'action d'appui à l'éducation et à la scolarisation, mène chaque année des campagnes de sensibilisation portant sur plusieurs thématiques dans la différente école de la capitale N'Djamena. Cet événement fait partie des activités annuelles de la coalition et s'est vu un élément catalyseur pour encourager les élèves dans leur parcours scolaire. Pour le compte de l'année scolaire 2017-2018, la campagne de sensibilisation touchera toutes les écoles de la ville d'N'Djamena et son périphérie. Elle est placée sous le thème « Ensemble œuvrons pour notre réussite éducative et scolaire pour un Tchad meilleur et prospère ». L'objectif visé par cette campagne est celui d'amener les élèves à une réelle prise de conscience de leur acquis national à travers un investissement personnel dans le travail. Clôture de la formation des jeunes en électricité et bâtiment organisée par l'Office national pour la promotion de l'emploi. La cérémonie a vu la présence de plusieurs invités. C'est le directeur de l'ONAP, Mohamed Nassour Abdoulaye, qui a présidé donc la cérémonie. Christelle Galemdana. Au total, 35 jeunes sont formés par l'Office national de promotion de l'emploi en électricité et bâtiment. Le major de la promotion, Abbas Mahamad Chetiman, a reçu son attestation des mains du directeur général de l'administration du travail, du ministère de la fonction publique et du dialogue social. Au nom des apprenants, Kagriba Alarasom a salué les efforts de l'ONAPE pour l'insertion des jeunes par la formation. Pour le directeur de l'Office national de promotion de l'emploi, Mahamat Nansour Abdoulaye, son institution accorde une attention particulière à la formation des jeunes. Mahamat Nansour Abdoulaye exhorte les jeunes à traduire dans les faits les connaissances acquises pour une intégration sociale dans la vie active. Clôture ce matin à N'Djamena de l'atelier de formation sur le nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, atelier organisé par l'Ordre national des professionnels comptables. Falambi Sourgan. Dans le souci d'améliorer qualitativement les compétences des comptables professionnels, l'Ordre national des professionnels comptables recycle ses membres sur le nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Nous tenons à remercier le formateur qui n'a ménagé aucun effort à démontrer aux participants de façon claire et compréhensible les aspects même les plus complexes des innovations de l'ODICIF. Le président de l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad appelle les uns et les autres à vulgariser les connaissances acquises. Nous sommes convaincus que vous avez pris la mesure des améliorations qui ont été apportées à ce dispositif-là, qui ont été conçues et ajoutées à l'acte uniforme nouvellement révisé. Le président de l'Ordre national des professionnels comptables a saisi cette opportunité pour inviter les entreprises publiques et privées à se rapprocher de son organisation pour se conformer au nouvel acte uniforme révisé.